Samuel? Sam. Approche-toi. Tourne-toi. Quoi? Tourne-toi que je te regarde. Sarah va avoir besoin d'un coup de main. Je dois régler des affaires pour Ruth et ce sera plus facile de le faire en Angleterre. C'est ta mère à toi. Mais tu vas t'occuper d'elle, mon grand, et ça que tu le veuilles ou non. Le plus sérieux, c'est sa jambe. J'aurais surtout besoin de toi pour la déplacer et lui tenir un peu compagnie. Crois-moi, c'est 1000 fois plus humiliant pour moi que ça ne l'est pour toi. Gin jusqu'ici, de l'eau jusque-là et un trait de citron pressé. Combien de bouteilles ça descend, une alcoolique, en fait? 2 caisses en 2 semaines. Oh, impressionnant. Oui. Ne t'avise jamais plus de rajouter de l'eau. Vous voulez un autre verre? Il semble que je sois à court de munitions. Ça me surprend que tu l'aies mis en pension. Tu as toujours dit que ça t'avait gâché la vie. Ça lui évite de faire n'importe quoi. Pourquoi t'es venu ici? Pourrait-on discuter de choses et d'autres avant? T'as la jambe cassée et papa et toi, vous vous haïssez. Non, je ne le hais pas. Elle a vraiment été là-bas, sur les lignes de front, à prendre des photos. Elle a l'air de s'être bien marrée. Tu sais quoi, on devrait organiser une fête ici. Ah, je crois que l'info a circulé. Merveilleux, je suis très complice avec les poivrons. Qu'est-ce que tu veux? Encore un amour passionné et romantique. Je n'aurais jamais dû la laisser rentrer dans nos vies. Elle doit repartir. Ce serait une honte. La plupart des gens aiment les couchers de soleil. J'adore voir le soleil se lever. Ah, quand même! Respect! Encore!